Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour la qualité du son et de l'image. Je filme avec la webcam. Donc c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles puisque j'ai disparu depuis plusieurs mois. Désolée pour les etc. Il n'y aura pas de montage sur cette vidéo à priori. Donc voilà, vous expliquer ce qui s'est passé et ce que je compte faire de ma chaîne. Alors, premièrement, comme vous aviez remarqué, j'avais pris du retard dans mes vidéos, j'avais environ un mois de retard. Et ensuite, il s'est passé plusieurs choses simultanément, enfin quasiment. Premièrement, j'ai eu un virus, enfin non, j'ai eu un problème de logiciel. Je sais plus exactement dans quel ordre ça s'est passé, mais j'ai eu un problème de logiciel avec mon logiciel de montage, qui voulait plus que je monte mes vidéos. Ensuite, j'ai eu un virus, et en supprimant le virus, en combattant le virus, je sais pas comment on peut dire, j'ai accidentellement, et ça c'est ma faute, c'est pas de la faute au virus, j'ai accidentellement supprimé certains fichiers de mon ordinateur, dont tout ce qui me servait à faire ma chaîne. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait le nom de ma chaîne, etc. Enfin bref, et des fichiers vidéo qui ont été supprimés, et complètement supprimés. Donc ça m'a mis un petit coup au moral et pendant quelques semaines j'avais plus spécialement envie de faire de vidéos. J'avais plus la foi. Ensuite, quand j'ai voulu m'y remettre, parce que c'est toujours quand on retrouve la foi qu'on la perd à nouveau, j'ai eu de nouveau des problèmes. Et cette fois c'est mon ordinateur qui m'a lâché. Donc là j'utilise pas mon ordinateur à moi, mais bon. La batterie de mon ordinateur m'a lâché, donc il fonctionnait plus que sur secteur, ce qui est assez compliqué. Enfin, voilà. Donc il a été plus d'un mois en réparation pour au final que ça change rien, parce qu'ils m'ont pas fait. Enfin, voilà. Bref, on s'en fout. Passons. Et le lendemain, le jour où mon ordinateur m'a lâché, ma carte SD qui me permettait de filmer m'a aussi lâché. Donc j'avais une autre carte SD, sauf qu'elle ne me permettait que de prendre des photos puisque la vitesse d'écriture était trop lente. Donc ça saccadait les vidéos. Excusez-moi, j'ai bugué. Ça saccadait les vidéos. Ça les rendait illisibles. Quand j'ai récupéré mon ordinateur, donc il y a un peu plus d'un mois maintenant. J'ai aussi acheté une autre carte SD. Voilà. Maintenant, on va passer à ce que je compte faire de cette chaîne. Alors, j'avais promis, enfin pas promis, mais j'avais dit que je ferais certaines vidéos et je compte les faire. Donc notamment le classique du mois diamantant avec Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Mes lectures du mois d'après, il y a longtemps, avec donc, plusieurs lectures différentes. Un autre classique, c'était les poésies de un recueil de poésies d'Arthur Rimbaud, si je ne me trompe pas. Je dis peut-être n'importe quoi, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, donc ces vidéos-là, je les ferai. Heureusement pour moi, j'ai pas perdu les fichiers vidéo de l'exposition d'Harry Potter. Ah, parce qu'elle n'était pas au même endroit. J'ai jamais été aussi intelligent de ma vie. D'ailleurs, il faudrait que je les enregistre ailleurs pour être vraiment sûr de pas les perdre. Du coup, je pourrais quand même faire la vidéo sur l'expo d'Harry Potter. Il faudra que je fasse une vidéo sur ce que j'ai acheté pour mon expo. Et il faudra que je vous montre, parce que vous en avez parlé au mois de mars, que je vous montre le coffret de livres en anglais d'Harry Potter que j'ai. Du coup, vous allez bouffer du Harry Potter. C'est ma vie, de toute façon. Je suis Harry Potter. Décidément, je suis vulgaire dans cette vidéo. Donc je compte pas arrêter les vidéos. Je compte faire les vidéos que j'ai en retard et dans une meilleure qualité. Ce que vous allez vous dire, elles sont un petit peu de ma tête,
Désolée pour la vulgarité de cette vidéo. Vous allez dire, elle se paye un peu notre tête parce qu'elle nous dit qu'elle n'a pas pu faire de vidéo et au final, elle revient avec une vidéo webcam. C'est juste que là, c'était plus facile pour m'organiser comme ça. Et de toute façon, je ne pouvais pas faire de montage. À l'heure actuelle, je peux toujours pas faire de montage. Donc c'est en attendant, on va dire. Promis, il y aura une meilleure qualité du coup dans les vidéos suivantes. Et je pouvais pas m'organiser, enfin je peux pas faire une vidéo où je parle de livres, où je vous montre, d'ailleurs tout marche à l'envers avec le webcam, où je vous montre mes livres, etc. avec ce genre de qualité, c'était juste pas possible, donc c'est pour ça que j'ai même pas tenté le coup. Bref, on reprend là où on était. Ce que je vais faire avec ma chaîne, donc comme je vous l'ai dit, les vidéos que j'avais dit que je ferais, je les ferai. Et ensuite, j'ai pas mal de projets à côté. Je fais d'autres trucs que lire. Et je fais tout très lentement. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent. FZ, on se comprend. Du coup, comme je fais d'autres choses, que tout me prend beaucoup de temps, je lis moins. Et je sais pas si vous aviez remarqué, mais quand je faisais une vidéo par mois et où je vous présentais mes lectures du mois, je vous présentais environ 4, entre 4 et 6 livres. Là, c'est pas possible parce que je lis pas autant. Il y a même des moments où je lis très peu, donc je vous présenterai un livre. Si je continuais sur ce modèle de vidéo, je vous présenterais juste un livre par vidéo. Ce serait un petit peu chelou. Donc, je pense que je ferai des vidéos par jour quand j'ai l'envie, puisque c'est l'essentiel, c'est d'avoir envie. Juste que je gagne pas d'argent, hein, tu sais. Il y en a qui font YouTube pour gagner des sous ou quoi que ce soit. Moi, je gagne pas de sous, donc c'est pas mon but d'être monétisé ou je sais pas quoi. C'est juste pour mon plaisir, bien sûr. J'aime bien faire plaisir aux gens, donc. Si le fait que je fasse des vidéos, ça fait plaisir aux gens, ben ça me donne envie d'en faire, mais mais je vais pas me forcer. Ou je vais pas faire genre j'ai lu des livres alors que je les ai pas lus. Du coup, je ferai des vidéos, bah quand soit j'aurai assez de livres à présenter, soit quand j'aurai un coup de cœur, soit quand j'aurai un coup de j'ai pas aimé. En général, j'hésite. Je trouve pas ça très gentil. Surtout que, enfin. Dire ouais voilà ça m'a pas plu mais ok mais faire une vidéo pour dire ce livre m'a pas plu je trouve ça enfin faut vraiment que ce soit je sais sur quel livre je pourrais faire ça il y a un livre qui c'est même pas un livre mais bon a eu énormément de succès ceux qui me connaissent encore une fois comprendront de quoi je parle donc voilà j'arrête pas la chaîne mais je ferai moins de vidéos c'est bizarre de dire ça alors que j'ai pas fait de vidéo pendant plusieurs mois. Mais j'en ferai plus une tous les mois comme quand je faisais ma chaîne continuellement. Enfin, je ne pense pas. J'essaierai de faire au mieux. Voilà. Vous verrez bien. Je vous ai dit ce que je compte faire. J'ai revu mes ambitions un petit peu à la baisse pour le nombre de vidéos que je fais, etc. J'abandonne pas, mais je continue d'une façon différente. Voilà. Pour pouvoir me consacrer à d'autres trucs comme continuer à trouver un emploi. Pas juste cumuler des petits emplois par-ci par-là. Pouvoir écrire. Parce que ça me prend. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça me prend beaucoup de temps. Surtout qu'en étant dyslexique et en faisant de manière générale beaucoup de fautes. J'en fais moins qu'avant. Mais j'en fais toujours beaucoup. Pour un texte de 1000 à 3000 mots, il faut plus de 2 heures de correction derrière. Sachant que je laisse échapper des trucs. Et que je suis aidée par un logiciel pour faire ces 2 heures de correction. Donc je vous laisse un peu imaginer le temps que ça peut prendre. Du coup, voilà. J'ai plein de projets différents. Et comme je lis moins, ben, je fais moins de vidéos sur la lecture. Mais vu que j'en ai au moins 6 de retard, c'est bon. On est sauvés. Voilà. J'arrête de parler pour redire 15 fois les mêmes choses. Je suis désolée, je suis comme ça dans la vie. Je dis 15 fois la même chose. Ne m'en veuillez pas. Cette vidéo vous a peut-être servi à rien. La seule chose que je peux vous dire, si vous voulez pas vous taper des vidéos comme ça où je parle pour rien dire, dites-le moi en commentaire.
déjà. Genre, ouais, on s'en fout si c'est pas des parmi ou pas. Et allez voir sur Facebook. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que je suis pas hyper active sur ma page Facebook que je mettrai en barre d'information, mais je le suis un petit peu plus. Les gens ont été au courant de mes mésaventures quasiment jour le jour. Du coup, voilà. Cette fois-ci, c'est bon. La vidéo est finie. 10 minutes, c'est à peu près le temps que je mets d'habitude. Merci, au revoir. Bisous.